the believers, my wife and the believers. And but yesterday, Brother French specifically mentioned and greet Brother Suku. We like the way he worships. So Brother Suku is making ripples around the world. God bless you, brother. Amen. He has been, Brother Suku, I met Brother Suku in this message, you know. So he has to get something. All these years, amen. Praise his holy name. So let's stand at this time. We want to go to the book of Esther. Alors tenons-nous debout. Chapter 4, verses 1 to 16, quite a few verses. Nous voilà dans le livre d'Esther, Esther 4, verset 1 à 16. Esther 4, 1 to 16. And we try to go through together because this morning is just basically to reinforce the background to the book of Esther. Ce matin, de manière basique, c'est de reparler des choses fondamentales du livre d'Esther. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous irons davantage dans le détail. So, chapter 4, verse 1, when Mordecai perceived all that was done, Mordecai rent his clothes. Et Mardoché sut tout ce qui s'était fait, et Mardoché déchira ses vêtements, et se couvrit d'un sac de cendres, et sortit au milieu de la ville, et poussa un cri grand et amer. Et il vint jusque devant la porte du roi, car il n'était pas permis d'entrer, vêtu d'un sac, dans la porte du roi. Et dans chaque province, partout où parvint la parole du roi et son édit, donc remarquez que c'était le commandement du roi que Haman a utilisé cela. Il y eut un grand deuil parmi les Juifs, des jeûnes et des pleurs, des lamentations. Beaucoup firent leur lit du sac et de la cendre. Et les jeunes filles d'Esther et ses eunuques vinrent et le lui rapportèrent. Et la reine en fut dans une grande angoisse et elle envoya des vêtements pour vêtir Mardoché et pour lui faire ôter son sac de dessus lui, mais il ne les accepta pas. Et Esther appela Hatak, l'un des eunuques du roi qu'il avait placé auprès d'elle, et elle lui commanda d'aller vers Mardoché pour savoir ce que c'était et pourquoi c'était. Et Hatak sortit vers Mardoché sur la place de la ville qui était devant la porte du roi. Et Mardoché l'informa de tout ce qui lui était arrivé et de la somme d'argent qu'Aman avait dit qu'il paierait au trésor du roi en vue des Juifs pour les détruire. Et il lui donna une copie de l'écrit de l'édit qui avait été rendu à Suse pour les détruire, afin de le montrer à Esther et de lui faire connaître, et pour lui commander d'entrer vers le roi, de le supplier et de faire requête devant lui en faveur de son peuple. Et Hatak vint et rapporta à Esther les paroles de Mardoché, et Esther dit Hatak et le chargea de dire à Mardoché, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent que pour quiconque homme ou femme entre auprès du roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, il existe une même loi prescrivant de le mettre à mort, à moins que le roi ne lui tende le sceptre d'or pour qu'il vive. Et moi, je n'ai pas été appelé à entrer vers le roi ces 30 jours. » Et on rapporta à Mardoché les paroles d'Esther. Et Mardoché dit de répondre à Esther, « Ne pense pas en ton âme d'échapper dans la maison du roi plutôt que tous les Juifs. » Car si tu gardes le silence en ce temps-ci, le soulagement et la délivrance surgiront pour les Juifs d'autre part. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Et Esther dit de répondre à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, et ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi et mes jeunes filles nous jeûnerons de même, et ainsi j'entrerai vers le roi, ce qui n'est pas selon la loi. Et si je péris, je périrai. » Que le Seigneur reçoive la bénédiction à l'écoute de sa parole. Père Céleste, nous avons lu ta parole sacrée, il y a tant de mystères qui sont cachés dans le livre d'Esther.
Seigneur, tous ces mystères dans la Bible, nous venons te demander que nous donnes l'onction, prédicateur ce matin, la sainteté et la puissance dans ton peuple et ton chemin, Seigneur, ce matin. Que ces mystères cachés s'ouvrent pour que nous puissions voir qui nous sommes, sachant que nous sommes cette Esther du temps de la fin, que nous ayons le courage, la force d'entrer dans la présence du roi. Accorde le Père, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen et amen. Pouvez-vous asseoir? Ainsi comme titre, toucher le sceptre de la vertu pour un temps comme celui-ci. Toucher le sceptre de la vertu pour un temps comme celui-ci. Et mon inspiration, si je dois périr, je périrai. Mais je vais aller voir le roi. Nous savons sur le livre de Daniel qu'il y avait ce songe, une grande statue dépeignant Babylone, les Médo-Perses, cette statue, Babylone, les Médo-Perses, Grèce et Rome, et l'Empire Perse avait le roi le plus grand qui était Xerxès le premier, Assuérus, dont nous parlons. Assuérus vient de la langue perse et Xerxès, c'est en grec. Le mot hébreu, c'est Ascasverosh, qui signifie la tête de Perse ou le roi de la Perse. Donc il y a différents noms dans différentes langues, mais en fait c'est la même personne. Quelques remarques au sujet du livre d'Esther. C'est le seul livre dans la Bible qui ne mentionne pas le nom de Dieu, c'est le livre d'Esther. Le seul livre dans toute la Bible. Des théologiens disent que, à cause de ça, il ne devrait pas se trouver dans la Bible. Sans qu'on exalte les Juifs, etc. et tout. Mais sans avoir le nom de Dieu, le seul livre qui n'a pas le nom de Dieu, c'est le livre d'Esther. Qu'est-ce que ça nous dit? Cela me dit quelque chose. Pour moi, ça place Esther, l'épouse, comme au centre de la révélation, de toute la chose. Pour moi, cela place la divinité en Esther. Hallelujah. I am Holy Spirit. Je suis Saint-Esprit. Glory to God. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Glory to God. Amen. They say it's just a story and it's not true. Ils disent que c'est une histoire qui n'est pas vraie, parce que les Juifs avaient déjà été libérés par Cyrus, ainsi quel était le problème au sujet de la Perse. Il est vrai que les Juifs avaient été libérés, ils pouvaient retourner dans leur patrie par l'édit de Cyrus, 16 années, dont le décret avait été donné 16 années, mais il y a très peu de Juifs qui étaient retournés. Ce n'est que 80 ans plus tard que la construction du temple a commencé, parce que Cyrus avait dit qu'il pouvait retourner pour construire le temple, mais rien n'avait été mis en place. À moins de 80 années plus tard, où Esdras, le scribe, et Néhémie sont retournés pour reconstruire le temple, et beaucoup de Juifs, et voilà pourquoi les Juifs qui sont venus voir Jésus au temps de sa naissance, c'était des Juifs, mais venant de l'Orient. Voilà ce qu'ils disent à ce sujet. Assuérus, Xerxès, était le quatrième roi Médo-Perse, comme prophétisé dans le livre Daniel. Et je lis dans Daniel 11. Donc il est bien connu et documenté que Xerxès a accompli cette prophétie. Il est allé mener la guerre contre la Grèce. Donc il a cité Daniel 11:2. Maintenant je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore trois rois en Perse. Le quatrième amassera plus de richesses que tous les autres. Donc Xerxès a accompli cette prophétie et il a conquis beaucoup de pays. Babylone, les Assyriens, les Phéniciens, les Égyptiens, une armée de 2 millions de personnes. Alors qu'il était en route pour attaquer la Grèce, les Grecs s'étaient rebellés contre son père Darius. Donc il voulait continuer
l'œuvre de son père de soumettre les Grecs. Il était déterminé de résister à tous les signes et les conseils de faire marche arrière. Il y a même une éclipse du soleil. Mais la prophétie devait s'accomplir. Et il avait d'abord conquis une grande partie de villes grecques, mais il a eu défaite, là, une défaite contre la marine grecque. Mais le livre d'Esther traite des 7 premières années lorsqu'il était à Suse, la capitale de l'Empire. Donc on voit, il parle de la 7e année dans le livre d'Esther. Il n'était pas encore allé en Grèce. C'était plus tard. Donc, comme le roi dans le livre d'Esther, il est un type du Seigneur, celui qui est assis sur le trône. En fait, l'histoire révèle qu'un des titres des Xerxès était roi des rois, parce qu'il était roi sur plusieurs nations, depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Maintenant, les rabbins nous disent que le père d'Esther était mort avant sa naissance et que sa mère était morte pendant... En donnant naissance à Esther. Donc, Mardoché était comme son grand frère qui prenait soin d'elle pour l'élever. C'est lui qui l'avait élevé. Le prophète parle du Saint-Esprit et son ministère qui élève l'épouse jusqu'à l'adoption. Après être né, le père essaie de trouver le meilleur tuteur, qui est celui qui élève, et c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a son ministère là dans Mardoché pour élever Esther. Donc, il jouait le rôle ici d'un proche parent. C'était son pasteur, apôtre, un homme qui prenait soin d'Esther. Donc Mardoché avait quelque chose qui typifiait l'apôtre pour élever, pour prendre soin d'Esther. Employé par le roi pour nourrir, prendre soin d'Esther. Il y a toujours ce type dans la Bible. C'est un type de Christ dans son office. Un frère, un parent rédempteur qui l'a servi avec l'eau, le sang et l'esprit, l'expiation dans sa plénitude. Ils étaient tous les deux du même sang, Esther et Mardoché, tous les deux de la tribu de Benjamin, de la même parenté. Et nous voyons que Mardoché finalement entrer dans le pouvoir. Il est celui que le roi se plaît à honorer, comme Jésus, qui aimait le Père et qui fut exalté au trône de son Père. Il a été honoré par la robe du roi, la couronne du roi, le cheval du roi. Il a probablement entendu les anges chanter « Je pose en Sion comme fondement une pierre. » Et Mardoché a finalement été exalté, tout comme Joseph, pour avoir la même autorité du trône, si ce n'est le trône lui-même. Il a remplacé Aman. Et Christ aura son propre trône dans le millénium. Et Esther a la promesse d'avoir la même autorité avec le roi jusqu'à la moitié de mon royaume. Co-égal avec le roi, mari et femme, mais il lui a dit 3 fois, dans 3 occasions différentes. Donc, dans ce livre, nous voyons le triple mystère de Dieu qui se dévoile, le roi, Elohim notre Père, Mardoché, Christ le Fils, dans un ministère, et Esther, l'épouse, Saint-Esprit, épouse de la parole. Alléluia. Alors Esther apprend à connaître qui elle est en connaissant son but, comme Joseph. Lorsque la famine est venue, Dieu l'a envoyé pour une grande délivrance, pour préserver la vie. Et pendant tout le temps, il a avancé par la foi, tout comme Esther.
Comme Mardoché a dit, comment sais-tu si ce n'est pas, si tu n'es pas venu à la royauté pour un temps comme celui-ci, alors ça l'a frappé. Elle savait vraiment à ce moment-là qui elle était, et pourquoi elle était devenue reine. Elle n'était pas reine pour se relaxer en disant, je suis dans le message, je paie ma dîme, je viens tôt, et je fais toutes les choses correctes, et l'enlèvement viendra, et certainement le Seigneur va me prendre. Non, elle connaissait son appel et son placement. Et elle savait aussi qui était le diable, sous la forme du méchant Aman. Gloire à Dieu, Amen. Gloire à Dieu. Alors regardons maintenant Aman. Le point central dans ce livre d'Esther, il y a deux caractères principaux. Esther, type de l'épouse, et Aman, un type de l'ange de la mort dans la chair, qui était prophétique d'Hitler. Regardons un petit peu, parce que nous allons voir beaucoup de choses là. Hitler a essayé d'accomplir ce qu'Aman planifiait pour les Juifs. Il avait le même esprit. Hitler a banni le livre d'Esther. C'est ce qu'il a fait. Il a banni le livre d'Esther en Allemagne. Parce qu'il savait que c'était lui. Et il a banni la célébration de la fête de Purim, la célébration après la victoire. Il ne voulait pas être dévoilé par la Bible. Donc Aman est un Agagite, un descendant d'Agag, qui était le roi des Amalécites. Mais avant d'entrer là, je veux montrer quelque chose que j'ai lu d'un rabbin. Il dit que le mot Aman apparaît en hébreu dans Genèse 3:11. Et voici Genèse 3:11 que je vais lire. Et il dit, « Qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé que tu ne manges pas ?» Dans la langue hébraïque, de l'arbre, c'est « Amin Haït ». Ce qui veut dire « de l'arbre » ou « venant de l'arbre ».« Amin », ça veut dire cela. Ça vient d'eux. Et c'est l'écriture exacte de « Aman » en hébreu. C'est l'écriture exacte, il n'y a pas de différence en hébreu. Donc là même, nous voyons que le mot « Aman » est connecté avec la désobéissance d'Adam et Ève. Avez-vous mangé de l'arbre, Amin? Donc de quel arbre était Aman, de quelle semence? Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence, l'inimitié entre Esther, le type de l'épouse, et Aman, la semence de discorde. Adam et Ève se sont éloignés du sentier pour lequel Dieu les avait créés, et cela a provoqué que toute la race humaine quitte ce sentier. Ils ont perdu leur domination, leur divinité. Et Aman est venu pour faire que les Juifs quittent le sentier de Dieu, que Dieu leur avait indiqué, pour les détruire. Il avait été inspiré par Satan pour les détruire, afin qu'ils n'accomplissent pas leur destinée sur la terre. Donc Aman était un Agagite, un descendant du roi Agag, qui était le roi des Amalécites. Et les Amalécites ont essayé de faire sortir Israël du sentier vers le pays promis. Israël était en route vers Canaan, et on peut lire ceci dans Exode, si vous voulez le prendre. Exode 17:8, si vous voulez suivre. Je vais lire dans Exode 17. Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. C'est dans Exode 17. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Voyez-vous, ils étaient en dehors du pays, et là, ils pouvaient être vaincus, mais la verge de Moïse, c'était le lien entre Égypte et le pays promis. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus.
Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans un livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom Jéhovah Nissi, l'Éternel est ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Oh là là, quel serment, c'est un serment étonnant. Un serment d'avoir guerre contre une nation. Toutes les générations, Amalek, ça ne représente pas simplement une nation, une tribu, mais c'est cet esprit qui vient pour vous faire sortir du sentier vers votre promesse. Ils étaient en route vers le pays promis. Alors voici que vient Amalek. Donc Dieu a juré d'avoir la guerre avec Amalek, ça veut dire avec cet esprit-là, qui vient entre vous et votre promesse. Gloire à Dieu. Et Dieu est engagé dans la guerre avec cet esprit-là dans chaque âge pour effacer le nom d'Amalek de dessous les cieux. Ainsi, Aman était un Amalécite et pire, il était dans la ligne royale des Amalécites. Lisons ceci concernant Agag dans 1 Samuel, 1 Samuel 15, à partir de verset 1. Je lis. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit la voix de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel des armées. Je me souviens ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Donc c'est dans 1 Samuel 15, verset 3 maintenant. Va maintenant, frappe Amalek et détruis-le complètement et n'épargne rien. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Telaïm. Il y a un fleuve qui traverse l'Éden en différentes parties et Pison était le premier. Dans tous ces pays de Telaïm. Juste avant l'Éden, c'est un type. Donc il a frappé Amalek. Et il a pris Agag, le roi des Amalécites, ce qui a été une grande erreur. Il devait les abattre tous. Et il a détruit entièrement le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Donc Saül avait battu Amalek depuis Avila jusqu'à Shur. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes. Et c'est un esprit de compromission. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement ce qui était méprisable et chétif. Vous voyez, c'est en disant dans les dominations, il y a des bonnes choses, et ceci, cela. Mais Samuel dit, quel est donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement des bœufs que j'entends? Et Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons entièrement détruit. Ça semble religieux, mais ce n'est pas la parole. Nous passons au verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va
et détruis entièrement ces pécheurs, les Amalécites, et tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Et verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et vous, les jeunes gens, regardez, la rébellion vis-à-vis de vos parents, c'est comme la divination. Et l'entêtement ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Et tout ceci a à voir avec Amalek et Agag. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, « Certainement, l'amertume de la mort est passée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Il a détruit tout ce monde d'église et toute la mondanité et toutes ces choses. Maintenant, les rabbins disent que la femme d'Agag portait un enfant en elle et qu'elle avait échappé à la destruction, mais Saül n'en savait rien. Ainsi, la ligne d'Agag a continué et puis on les a connus comme étant des Agagites. Et c'était des ennemis jurés des Juifs. Ils voulaient exterminer les Juifs. Et Haman était l'un d'entre eux. Il voulait détruire les Juifs, pas simplement parce que Mardoché ne voulait pas s'incliner devant lui, pas simplement. C'est pas simplement à cause de ça. Mais parce que les Juifs avaient marqué à l'oreille son peuple pour la destruction à travers Samuel. Donc le fait que Mardoché est arrivé aux oreilles d'Aman, comme un Amalécite et un descendant de King Agag, du roi Agag lui-même, Aman était un ennemi des Juifs, et on en parle dans Esther 3.10, dans Esther 8.1, 9.10 et Esther 9.24. Aman, l'ennemi des Juifs. Mais maintenant, voici ici une prophétie de Christ qui doit être exaltée plus haut qu'Agag. Et on trouve ça dans Nombre 24. Nombre 24 à partir du verset 2. Balaam leva les yeux et vit Israël dans ses tentes selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu vint sur lui. Et Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui est tombé en transe mais dont les yeux sont ouverts. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Vous voyez, de nombreuses nations dispersées, là où Israël fut dispersé. Mais le Seigneur les ramènera pour le Messie. Et son roi sera plus haut qu'Agag, c'est Christ. Que Hitler et cet esprit d'Agagite, vous voyez, ils ont été dispersés. Très bien. Mais son roi s'élève au-dessus d'Agag, parce que Dieu va les ramener dans leur patrie pour rencontrer le roi, le Messie, et il sera plus élevé que l'esprit d'Hitler, Agag. Et son royaume sera exalté. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et il les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira, Israël.
Donc c'était un type dans Esther lorsque Mardoché fut exalté à la place d'Aman, plus haut que Agag. Mais c'est une prophétie de Christ, le lion de Juda, qui prévaut pour prendre le livre et libérer nos noms. Et les Écritures disent que nous régnerons sur la terre. En d'autres mots, si c'est même la moitié de mon royaume, la coégalité avec lui. Comme frère Tim Smith a dit, mâle et femelle, coégaux avant la chute. L'épouse vivra et règnera avec lui 1000 ans. Parce que c'est dans et par l'épouse qu'il prendra la domination sur la mort. Elle déclare le jour de vengeance sur la bête et son royaume. C'est une bataille sérieuse. Je vais vous montrer ce matin combien c'est sérieux. Et tout cela est en type dans le livre d'Esther. Regardons maintenant la nature de l'esprit d'Aman. Restez avec moi. Dans la fête des trompettes, une longue citation, mais suivez. Remarquez, dans Apocalypse chapitre 9, verset 13, remarquez bien attentivement, sous la sixième trompette, Apocalypse 9, 13, sous la sixième trompette, remarquez, il y avait 200 000 cavaliers, en fait 200 millions comme disent les Écritures, qui avaient été liés au fleuve Euphrate, libérés sous la sixième trompette. Ce n'étaient pas des chevaux naturels. Ils respiraient le feu, ils avaient des boucliers de jaspe et des queues et au bout de leur queue, comme un serpent, la tête d'un serpent qui les piquait, des démons spirituels, des chevaux de bataille qui avaient été liés dans l'Euphrate toutes ces années, des démons surnaturels. Qu'est-ce que c'était? L'ancien empire romain, ravivé, la persécution des Juifs. Ils avaient été liés depuis presque 2000 ans au fleuve Euphrate sans pouvoir traverser vers la promesse. Une secte religieuse qui essayait d'arriver de l'autre côté, l'Euphrate, vous voyez, qui traverse Éden. Vous voyez, c'était un combat pour Éden. Mais ils ne pouvaient pas traverser, il n'y avait pas de sang, rien. Mais ils faisaient semblant d'être des chrétiens. Mais regardez la sorte de démon dans lequel ils étaient là. Déguisés comme des chrétiens. Ils cherchaient une manière de s'exprimer plus purement, plus parfaitement, plus. Ces démons-là. Ils étaient liés là, 200 millions de démons de persécution. Regardez ce qui est arrivé sous cette sixième trompette. Ils furent libérés contre les Juifs. La persécution des Juifs, des démons surnaturels, on a presque 2000 ans, et puis libérés par Staline, Hitler, contre les Juifs. Vous dites, eh bien ça, ce n'est pas romain. C'est le même esprit. Ils ont fait la même chose qu'ils ont fait contre les chrétiens au jour de la Rome païenne, dans les arènes, où ils les ont donnés aux lions en pâture. C'était le même esprit. Regardez Israël naturel et l'Église spirituelle maintenant, alors que nous séparons cela ici maintenant. Ils ont été libérés contre les Juifs. Maintenant, sous ce sixième sceau, c'est 200 millions de démons spirituels. Ils ont été libérés sur les Juifs, la persécution des Juifs, des démons surnaturels, dans 2000 ans. Alors, libérés par Staline et Hitler contre les Juifs, vous dites, ce n'est pas romain, c'est le même esprit. Alors, j'ai fait un peu marche arrière, là. Maintenant, il a libéré sous ce sixième sceau 200 millions de démons. Ça a commencé à Rome, puis en Allemagne, Hitler. Et remarquez dans la Bible, ils ont reçu de la puissance comme roi, mais n'étaient pas couronnés. Un dictateur n'est pas un roi couronné, mais il a reçu de la puissance comme un roi. Il a reçu la puissance comme un roi. Oh, l'Esprit de Dieu qui agit à travers moi maintenant. Je suis en train de dire quelque chose. Je ne sais pas comment le dire, ni quoi dire. Et peut-être que je ferais mieux de ne pas le dire. Il y a 200 millions de démons libérés contre ces Juifs. Quand ils les ont brûlés, ils les ont crucifiés, ils ont mis
dans leurs veines, injecté des bulles dans leurs veines. Ils ont tué, chambre à gaz, ils les ont tués avec des balles au point, il n'y a plus de balles. Ils ont tout fait, les fours crématoires et tout, les enfants, les gens innocents, parce que c'était des juifs. Ils étaient ainsi. Mais Dieu a dit qu'il leur a donné à chacun une robe, bien qu'ils ne le méritent pas. Mais c'est sa grâce qui les a aveuglés afin que nous puissions voir. Ainsi, vous voyez la nature de cet esprit. Voilà ce qui faisait face à Esther. Et voilà ce qui fait face à l'épouse aujourd'hui. Ce n'est pas simplement contre des frères et des sœurs qui vous donnent parfois un temps difficile parce qu'ils ne vous saluent pas. Ce n'est pas contre ça. Regardez comment il vient dans l'Église. Je continue la citation. Le prophète était oint quand il criait ici, il disait, la sphère ecclésiastique a été ouverte dans la rêvée naturelle de l'ancienne Rome païenne. Ces Juifs, qui ont toujours été leur ennemi, le lion avec des dents et tout, piétiner et écraser les gens, Rome a toujours été l'ennemi de Dieu. Et cela a été libéré dans le même esprit par les dictateurs du monde, parce que le système religieux était encore, vous savez, le pape devait faire semblant, un semblant de gentillesse. Votre frère, que Dieu vous bénisse. Il devait avoir un air aimable, mais ce sont ces esprits-là. Mais ils ne pouvaient pas vous atteindre comme ils le voudraient, sous ce déguisement-là. Donc ils étaient liés, là, dans le fleuve Euphrate. Mais ils se sont saisis d'Hitler, de Staline, et ils ont été libérés contre les Juifs, mais ils n'avaient pas le sang. Donc ils devaient venir dans l'église maintenant, sous un certain déguisement. Qu'est-ce que cela a fait? Dans la subtilité, comme il a dit, il est venu avec des flatteries. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il amène le conseil œcuménique protestant dans le conseil mondial des églises, l'esprit de l'antichrist sur les deux, qui les amène vers le massacre, tout comme avec les autres, dans l'heure où l'épouse est appelée. Vous voyez? Donc le conseil mondial, maintenant le pape dit qu'il n'y a plus de protestants, que la protestation est terminée, donc le pape a confessé ses torts et ils disent, nous vous pardonnons maintenant, donc il n'y a plus de protestation. Vous avez vu la vidéo? Comment? Libéré dans cet esprit ecclésiastique. Libéré sur quoi? Ou contre quoi? Pas contre les dénominations, mais contre l'épouse. Ceci est libéré pour vous avoir, pour vous attraper. Libéré contre la semence royale, comme Haman, ce qui est l'épouse. Esther représente l'épouse Oméga. En fait, Esther, c'est l'épouse Oméga du temps de la fin. La partie de la tête du corps. Mais la semence royale représente toute l'épouse. Alors que Haman s'élève comme le Conseil mondial dans un mouvement œcuménique qui a commencé en 1963, au même moment où les anges sont venus. Donc Esther est l'épouse du temps de la fin, la partie de la tête du corps, et elle fait face à Haman dans une démonstration, dans un démon Sion, ce qui est la résurrection et l'enlèvement. Mon Carmel, Élie, mon transfiguration, un autre point culminant, et maintenant, le mont Sion, l'épouse, confrontation finale. Ça a été prophétisé, ça doit s'accomplir. Nous ne combattons pas simplement des choses comme ça dans le message.
Et par la puissance de résurrection, elle sauve la semence royale de la mort en allant jusqu'à Adam. Gloire. Hallelujah. Michael stands up in her. Michael se lève en elle. She has the voice of the archangel. Et elle a la voix de l'archange. Which is the voice of chief authority. Ce qui est la voix de l'autorité en commandement. Nothing can withstand it. Rien ne peut lui résister. It raised a man to life who was dead and stinking 4 days. Il a ressuscité un homme à la vie qui était mort depuis 4 jours. Ainsi, le même esprit sur Hitler, Haman, vient dans la sphère ecclésiastique pour libérer ce mauvais esprit contre l'épouse. Je continue la citation. Et ici, vous allez saisir, l'épouse ne va pas traverser ce temps-là. C'est une prophétie sur vous. Malgré vos faiblesses et vos manquements, vous ne traverserez pas ce temps-là. La Bible dit, l'Église, oui, mais pas l'épouse. Ne pouvez pas voir les ministres. Ne pouvez-vous pas voir cela, les frères? L'Église doit traverser la persécution pour sa perfection. Mais le sang de Jésus-Christ perfectionne l'épouse, la triple révélation. Un homme qui choisit une épouse ne lui fait pas traverser tout un tas de punitions. Elle a trouvé grâce à ses yeux. Esther a trouvé la faveur du roi. La grâce, une faveur imméritée. Gloire à Dieu. Il lui est fiancé. Et s'il y a quoi que ce soit, il va la préserver de tout danger. C'est sa grâce. Et de la même sur l'épouse et avec l'épouse. Sa grâce est sur l'épouse. Maintenant, regardez. Nous, des créatures indignes qui méritions l'enfer, mais sa grâce nous tient. Quelque chose ici qui me posait des questions avec Esther pendant tout un temps. Mais regardez ceci. Bien que Haman était celui qui était derrière la destruction des Juifs, il avait eu l'accord du roi pour le faire. Maintenant, le roi ne savait pas que c'était les Juifs. Haman disait qu'il y a des gens dans le royaume qui ne te respectent pas, nous devons les détruire. Et le roi naturel de Perse, lui faisait confiance à Haman. Il a dit, prends mon anneau et fais ce que tu dois faire. Et c'était scellé avec son anneau. Donc, le roi a donné son sceau. Maintenant, ce roi-là représente notre roi. Et lui, il connaît toutes choses. Donc, c'est comme si ce n'était pas ce que Hitler ou Haman essaye de faire. En fait, il est derrière la chose. Mais, vous savez, Dieu utilise le diable pour exécuter le jugement. L'ange de la mort qui a traversé l'Égypte. Je sais que Dieu est la vie. Mais cependant, il dit, je traverserai l'Égypte cette nuit pour frapper tous les premiers-nés. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Il a envoyé l'ange de la mort pour le faire. Un ange a dû le faire. Très bien. Donc, Haman a eu le consentement du roi. Le roi qui ne savait pas de qui il s'agitait, mais il a sanctionné ce jugement. Bien qu'Haman était le méchant, il a exécuté le jugement de Dieu. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est l'œuvre de l'ange de la mort. Tous étaient marqués à l'oreille pour la destruction. Il n'y en a aucun qui soit juste, pas un seul. Et les Juifs l'avait rejeté. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et les 6 sceaux montrent cela. Cela se termine dans le jugement. La parole écrite, scellée par le roi. Sous le 6e sceau, tout se termine dans le jugement.
Le soleil refuse de briller, rocher tombé sur nous. Oui. Le grand jour de sa colère est venu et qui pourra résister? Mais il y avait un mystère caché sous le septième sceau, caché à Haman. Le roi aimait Esther. Et notre roi nous a choisis avant la fondation du monde. Elle faisait partie de la divinité, la partie féminine du roi, et elle ne pouvait pas être détruite, même malgré le jugement qui semblait dire que vous êtes digne de la destruction, vous ne pourrez pas être détruit parce que vous faites partie de lui. Gloire à Dieu. Élu par la préscience de Dieu. Que la grâce et la paix nous soient multipliées avec abondance dans le royaume éternel de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ainsi, sous le septième sceau, sa main garde l'épouse, la semence royale du jugement par cette tribulation terrible. Ainsi, nous voyons cet esprit d'Haman qui était sur Staline et Hitler, qui vient dans l'Église par le Conseil mondial des Églises pour rassembler l'Église de Laodicée pour le jugement. Parce qu'il est le juge, le roi est le juge. Donc ça doit être sanctionné par le roi. Ça ne peut pas arriver sans le roi. Rien ne peut arriver sans le roi, sans son consentement. Oh là là! Il vient avec subtilité pour s'emparer du royaume par les flatteries, le cavalier, le cheval pâle, la mort qui rassemble ses forces pour se manifester dans la période de tribulation lorsque le sanctuaire sera rempli de fumée, le sang étant ôté du trône de miséricorde, mais l'épouse est préservée de cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Le pape dit qu'il n'y a plus de protestation. Il se typifie même lui-même comme Joseph en pardonnant les frères, en demandant le pardon. Non, vous ne pouvez pas manger votre argent, voyez. C'est ce qu'il dit. Imitant la vertu de l'âge. Mais l'épouse élue ne peut pas être séduite. Cela ne peut pas toucher Esther. Et celui qui l'a élevée en trois phases. Elle est sous le septième sceau. Le livre de la rédemption. Le livre dans le livre. Alléluia. Alléluia. Already chosen before. Déjà choisi. The king knew what he was looking for. Le roi savait ce qu'il cherchait. Mardoché, au travers de Hatak, l'ancien local des ministres, parce que Hatak était désigné pour prendre soin d'Esther, pour veiller, c'est comme un ministère local, qui lui transmet la triple révélation pour lui dire qu'il fait partie de la divinité et qu'elle prend sa position pour sauver la semence royale, ce qui est l'épouse entière, de retour jusqu'à Adam. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Alléluia. 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 Glory to God. Gloire au Seigneur. Ainsi, cet esprit d'Aman est venu dans le message des faux oints pour s'opposer à l'expiation du sang des sept tonnerres et le triple mystère qui était là-dessous, la chose même qui allait préserver l'épouse, l'esprit du méchant serviteur, Matthieu 24, 24 dans le message, et en dessous de lui, 2 Timothée 3, enflé d'orgueil, fier, orgueilleux, qui frappe toujours, aimant le plaisir plus que Dieu, les soucis de la vie, destinés à la destruction de la semence royale, ce qui est la parole en vous. Dans le message, l'esprit d'Aman essaye de vous dérober de votre protection. Protection de quoi? De ces 200 millions de démons spirituels, ces chevaux d'attaque qui viennent
Alléluia, par le Conseil mondial des églises. Mais où? Le triple mystère, vous avez la protection sous le sang, la protection contre ces mauvais serviteurs qui veulent empêcher de grands hommes d'arriver à des endroits comme celui-ci. Alléluia. Afin que vous soyez protégés quand la pression viendra. Quand la pression viendra, regardez le troisième pôle alors. Gloire à Dieu. Il va y avoir une la pression. Tout cela va venir. Et le jugement de l'église de Laodicée. Mais Esther se tiendra là. Je verrai le roi. Si je dois périr, je périrai. Mais j'ai un triple mystère qui est sur moi. La vertu a été libérée. Je vais voir le roi. Alléluia. Alléluia. Gloire. La bataille a commencé dans le ciel quand Lucifer voulait le royaume de Michael. Mais Michael se lève dans la vertu pour Esther. Michael se lève pour Esther. Alléluia. Oh Dieu, j'ai envie de parler en langue. Y a-t-il un interprète dans la maison? Glory! Glory! She receives inner strength. Elle reçoit une force intérieure. Right in the inward man. La puissance dans le matériel. As Mordecai with virtue and knowledge. Comme Mardochée avec la vertu et la connaissance. Lui la serre au travers d'attaque. Et elle dit, si je dois périr, je périrai. Mais je vais voir le roi. Alléluia. Je dois toucher ce sceptre. Tout dépend de cela. Je dois répondre à cet appel à la résurrection. Maintenant, Haman n'avait aucun indice que Esther allait être sa ruine parce qu'elle a pris le conseil de Mardochée et elle n'avait pas révélé son identité. Elle l'a gardée secrète. Et qui nous sommes réellement était un secret sous le septième sceau, scellé dans les tonnerres, la troisième partie de la divinité. Cette identité, pourquoi a-t-elle été gardée secrète? Alléluia. Voilà pourquoi le septième sceau. Les cieux ne pouvaient pas l'écrire, les cieux ne peuvent pas le connaître, rien d'autre, parce que c'est un temps de relaxation. C'était tellement formidable au point où c'était gardé secret même des anges. Pourquoi? Si Satan avait pu s'en emparer, il aurait pu faire un grand dommage. Si seulement Haman avait su qu'Esther était juive, il aurait pu faire de grands dommages. Il y a une chose qu'il ne sait pas. Maintenant, il peut interpréter tout ce qu'il veut. Il peut imiter tous les dons. Mais il ne peut pas connaître ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole, c'est un secret total. Les anges, tout, c'est tu. S'il faisait un seul mouvement, ça aurait pu transmettre quelque chose. Donc, ils se sont tus. Ils ont cessé de jouer de la harpe. Donc, pas même l'homme de Genèse 2 ne connaissait ce secret. Je suis les sept esprits de Dieu. Je suis Saint-Esprit. Ce n'était connu que de l'homme de Genèse 1. Donc Esther, en réalité, est l'homme de Genèse 1. Je suis Saint-Esprit, l'épouse de la parole. Hallelujah!
Alléluia. Quand elle a dit, si je dois périr, je périrai, c'était l'homme de Genèse 2 qui parlait, tu périras. Mais l'homme de Genèse 1 disait, je ne peux pas périr, je suis Saint-Esprit. Et c'est ce qui l'a poussée à entrer. Elle est entrée par révélation de qui elle était réellement. Alléluia. I'm about to close. Je vais bientôt terminer. But before we close, mais avant de terminer, let's see if we can find out, voyons si nous pouvons voir quand elle est entrée et où elle se trouve maintenant, present tense now. Au temps présent. That's where faith is challenged. C'est là le défi de la foi. And next week we'll get et la semaine prochaine, into all the greater detail, God willing. Nous entrerons dans de plus grands détails, Dieu voulant. L'épouse a-t-elle touché le sceptre comme vertu in Pune. À Pune? And did Pune come to LACB? Et est-ce que Pune est venu dans l'assemblée locale, dans la réunion du soir, du 7 décembre? The Lord led me to go back to the message. Le Seigneur m'a conduit à retourner au message sur le site, le message du 7 décembre, la réunion du soir, pour voir ce qui était arrivé dans cette réunion. Et voici un extrait de ce que j'ai dit dans cette réunion. Je vais citer dans mes commentaires. Il a été officiellement déclaré dans la cité de la vertu. La vertu est ici maintenant. Mais il doit y avoir une faim, il doit y avoir une profondeur qui appelle. Et j'ai commencé à chanter quand il y a une profondeur qui appelle. Le roi revient pour nous prendre avec lui. Alors, le Saint-Esprit m'a fait parler des soucis de la vie qui étouffent la semence. C'est l'esprit d'Aman qui vient par les soucis de la vie pour tuer la semence royale. Je ne peux pas souer, je ne peux pas respirer, étouffer, vous voyez, c'est les soucis de la vie. Parfois, il vaut mieux laissez tout de côté et allez sur vos genoux. Parce que vous allez toujours vous inquiéter, je dois faire ceci, je dois faire cela. Il y a toujours quelque chose. Ça devient drastique. Je ne dis pas que vous devez être correct et propre et en ordre, mais il faut de la sagesse. Vous voyez comment le diable peut utiliser cela. Ainsi, les soucis de la vie, je ne peux pas respirer, comme a dit Frère Peter Mayer à Tucson. Esther a reçu l'offre de la moitié du royaume, et elle a simplement demandé sa vie et la vie de la semence royale. Ça, c'est la charité. Mais en fait, c'est le royaume de Dieu qui est en nous, Frère Eddie. Donc, elle a quand même eu le royaume. Elle a demandé la promesse que tout ce qui était en Christ soit en elle. Et je disais, voilà pourquoi la charité devait être prêchée comme une vertu séparée. C'est la chambre du roi, l'espace du Saint-Esprit. Et Esther devait entrer là. Et je ne savais pas à ce moment-là que Esther était en train d'entrer dans l'Assemblée locale là, le 7 décembre. La charité devait être prêchée comme une vertu séparée pour que vous ayez faim de cela. Et alors la semence de Joseph perfection en vous appelle l'esprit qui vient abreuver l'esprit de l'amour parfait au bruit de tes cataractes. La charité prêchée comme une vertu séparée, une profondeur qui appelle. Donne-moi cela, Seigneur, la vertu qui commence à agir, la fontaine d'amour, et qui vient vers vous en réponse à votre prière. Je crois que quelqu'un était en train de prier à ce moment-là. Et le Seigneur m'a fait dire que nous avions besoin de la dynamis pour ajouter la vertu pour qu'elle puisse sortir dans la douceur et la gentillesse. Esther, quand elle a touché le sceptre, elle était dans la douceur, dans la gentillesse, invitant le roi et Aman à un banquet du vin qu'elle avait préparé. Autrement dit, venez à ma triple révélation. Même si vous êtes critique, je vous invite sur le site internet de venir. J'ai préparé ce banquet depuis Enugu.
Et alors que l'onction grandissait le 7 décembre, le Seigneur m'a fait parler des sept vertus moindres par la charité qui donnent la vertu puissance pour le service. Et la semence de Joseph Perfection, je cite là ce que je disais le 7 décembre, et la semence de Joseph Perfection, qu'a-t-elle en elle? Sept vertus. Alors la charité est prêchée comme charité, et elle oint les sept vertus. Ainsi, les sept vertus ointes par la charité donnent la vertu puissance pour le service. La charité, c'est le roi, qui oint la semence en vous, plantée par Mardoché en Esther, au travers de Hatak. Et de là sort la vertu puissance. Il faut une puissance, la puissance du troisième pôle, qui est dans la pierre de fête pour vous tirer en elle-même, dans son caractère même, dans les sept esprits d'Elohim lui-même. Alors je pose la question, le sceptre a-t-il été tendu à ce moment-là? Le troisième pôle est l'ouverture de la parole, le triple mystère, qui ouvre les greniers de Dieu lui-même pour demeurer en vous et libérer la puissance de ce troisième pôle dans votre vie. N'est-ce pas le sceptre, le troisième pôle, qui l'offre? C'est pour les faibles, pour ceux qui luttent. Voyez, la semence royale qui est sous menace. Et alors l'onction frappe vraiment. La charité est ici comme vertu, comme une vérité. Puné l'a déclaré. La charité est ici. La charité est ici. La charité est ici comme vertu. Et je l'ai dit même sept fois. Vous êtes dans l'inquiétude, vous luttez, vous êtes dans la douleur. Votre nature brisée. Levez les yeux, levez les yeux. La pierre de fête est ici. La pierre de fête est ici. Je vous le dis à Saint-Augustine. Dans la rue où nous sommes ici, la pierre de fête est ici. Et je commence à marcher dans l'auditoire pour vous tirer, pour vous tirer, pour vous tirer en JVHU, dans la charité même. Oubliez vos faiblesses. Oubliez ce que vous êtes. Oubliez-vous que le roi ne vous a pas appelé depuis 30 jours, que vous n'avez pas eu de réponse à vos prières depuis longtemps. Oubliez cela. Levez les yeux, levez les yeux, levez les yeux. Votre rédemption approche. Et à ce moment-là, je crois que quelqu'un a été emporté dans l'esprit. La vertu. Libérez, frère Joël, je parle pour l'Assemblée locale. Je parle pour l'Assemblée locale aujourd'hui. Oubliez-vous vous-même. Regardez à lui qui est capable de vous préserver de la chute. L'homme de Genèse 2 n'arrive pas à la cheville de l'homme de Genèse 1. Vous êtes le Saint-Esprit. Oui, je vous le dis. Vous êtes mon épouse, mon peuple, une partie de ma divinité. Et il disait, si c'est même la moitié de mon royaume. Oui, dit l'Esprit, et je l'ai dit trois fois. J'ai dit à mon serviteur d'en parler à Enogu. Moi, le Seigneur, c'est moi qui l'ai fait. Je pose en Sion comme fondement une pierre, et c'est la vertu. Mon Sion. Et alors je me suis tourné vers quelqu'un dans l'assemblée dont le nom est Esther. Et j'ai dit, fais-lui confiance, sœur. Il va te faire sortir de là. Ainsi, en terminant, avons-nous été en tant qu'Église identifiés avec Esther qui entre pour toucher le sceptre de la vertu le 7 décembre 2014? Et qu'est-ce qu'Esther a demandé? Un banquet de vin avec Amané le roi. Et nous allons parler de cela. Ça m'a toujours un petit peu posé question. Pourquoi Esther a-t-elle demandé d'avoir un banquet? Et puis après, elle a demandé un autre banquet. Oui, nous allons parler de ça. Un banquet du vin avec Aman et le roi. Et la caméra à ce moment-là, voilà pourquoi vous voyez, l'équipe technique est tellement importante. Parce que la caméra à ce moment-là est fixée sur la table de communion alors que je disais tout cela. C'était un banquet du vin. Donc la table de communion était préparée le 7 décembre et le roi était là tendant la vertu.
Mais chaque membre de l'équipe technique doit être dans l'esprit. Caméraman et tous les autres. Oui, ça a de l'importance. Le Seigneur a fait que on a vu à la caméra la table de la communion. Je ne parlais pas du banquet du vin, mais c'était la requête d'Esther lorsqu'elle a obtenu sa requête. Et là, le roi a tendu la vertu. Est-ce que nous sommes dans ce premier banquet, désirant une garantie du roi, comme un sceau, qu'il va accomplir ce que nous demandons? Il va accomplir la charité dans l'étape 1 pour nous amener à l'étape 2 de la charité. Les musiciens peuvent s'avancer, je termine. Sommes-nous dans ce premier banquet? Avons-nous touché son sceptre à Pune et localement le 7 décembre? Gloire à Dieu. Et je veux que Haman et le roi viennent à ce banquet qui est préparé depuis Yenugu. Mais dans cet autre banquet, c'est la charité de l'étape 1, j'ai besoin de quelque chose avant de faire connaître ma demande. Alléluia. Esther, élue à être reine avant la fondation du monde, mais ça s'est développé dans les trois pôles, dans trois phases. Mais c'est dans l'appel à la résurrection qu'elle a prouvé qu'elle était digne de s'emparer du jour de vengeance. Que veux-tu, reine Esther? C'était pas pour... S'il n'y avait pas eu Haman et tout cela, il n'y aurait pas de livre d'Esther. Oui. Mais elle a prouvé qu'elle était digne quand elle a dit « Je vais voir le roi. Si je dois périr, je périrai. Parce que le royaume de Dieu est en danger. » Nous continuerons la semaine prochaine. Alléluia. Ok, praise God. Glory, appreciate it. Oh, I lay in Zion for a foundation, oh, a stone. I lay in Zion, oh, for a foundation, well, a stone. It's a trial. A sure foundation. It's a dry stone. It's a precious cornerstone. He that believeth shall not be ashamed. Oh, I live in Zion. I live in Zion for a foundation.
Queen Esther? What will thou, Queen Esther? What will thou this morning? Oh, make your petition known. Lift your voices. Lift your hands. Make your petition known to that tried stone, to that precious cornerstone, to virtue, power, to charity. Oh, hallelujah.